microplastiques ou bien d'autres dans le monde, nous pouvons trouver cette bactérie qui s'appelle Vibrio halophile. Donc c'est une bactérie porteuse de maladies nuisibles à l'homme. Les plastiques sont de véritables éponges à polluants organiques. C'est est-ce qu'ils sont gérés par les organismes marins? Première question. Alors, partout, quelles que soient les espèces qui ont été regardées, on en a trouvé chez tout le monde. Donc, il y a une toxicité physique, c'est-à-dire que du plastique qui est dans votre tube digestif va vous empêcher de digérer. Ça, c'est pas... Pour certains animaux, ils vont manger beaucoup, beaucoup plus, parce qu'ils n'auront pas assez d'énergie à cause du plastique dans leur tube digestif. Pour d'autres, ils vont avoir l'estomac tellement plein qu'ils vont dire j'ai pas faim et qu'ils vont pas manger. Donc, ça modifie déjà le comportement animal. Thank you.